carte aux autres jetés des produits de bourse avec Trading Central. À la une de l'actualité, ce lundi, on retrouve Crédit Suisse, le groupe bancaire a nommé Dixit Joshi en qualité de directeur financier en remplacement de David Matters. Dixit Joshi était auparavant trésorier chez Deutsche Bank. Les analystes de Trading Central sont baissés sur le titre et visent 4,62 francs et 4,41 francs. Total Energy, le groupe d'énergie, Corio Génération et CAIR ont été présélectionnés par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat pour participer à l'appel d'offres pour la construction de 2 parcs éoliens flottants en Méditerranée. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent 54,40 euros et 57,40 euros. On passe à la stratégie du jour, il s'agit de Crédit Agricole. Le titre s'est retourné à la baisse sous la résistance horizontale des 10,50 euros. Du côté des indicateurs techniques, le RSI évolue désormais sous sa zone de neutralité. Ainsi, sous 10,50 euros, la formation d'une nouvelle jambe de baisse est anticipée en direction de 9,10 euros puis 8,10 euros en extension. Portez-vous à l'achat sur le baromètre put N938T émis par Unicredit de prix d'exercice 10 euros. Et de maturité au 14 décembre 2022. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40, le principal indice de la place parisienne, est entré dans une phase de consolidation et pourrait évoluer sans tendance à court terme. En cas de poursuite de la baisse, les prochains niveaux de support se situent sur 6291 et 6195 points. La première résistance significative se place sur les 6577 points. Portez-vous à l'achat sur le VAR en put I 443T émis par Unicredit de prix d'exercice 6340 points de maturité au 16 décembre 2022. À New York, Sandrine Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.